Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour ce match de Ligue 1 Conforama. C'est un match en retard puisqu'il a été reprogrammé à cause du G7 à Biarritz. Montpellier reçoit le leader, l'Olympique Lyonnais, puisque même s'ils ont été dépassés par Rennes, Lyon était leader avant cette journée. Donc on va commenter comme s'ils étaient leaders avec une différence de plus 9. Bonsoir José. Bonsoir à tous, bienvenue ici au Stade de la Mosson qui a fait le plein pour la venue du leader incontestable du championnat de France, la meilleure défense de Ligue 1, la meilleure attaque tout court. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'OL ne pas prendre de but sur les deux premiers matchs. L'Olympique Lyonnais qui avait impressionné en gagnant 6 buts à 0 contre Angers chez lui, grâce à notamment Memphis Depay, auteur d'un beau doublé et d'une passe décisive lors de ce match, avec notamment aussi un très bon Moussa Dembélé, meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment avec 3 buts. Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Memphis. Bah oui, ils sont chacun à 3 buts. Donc on verra si cette attaque va faire la différence. C'est un René, il me semble, je ne me rappelle plus de son nom. En tous les cas, Lyon doit confirmer face à cette équipe de Montpellier. Thiago Mendes, meilleur passeur de Ligue 1, si je m'en abuse, avant cette journée en tous les cas. Et puis Geoffrey Adélaïde, sa première dans le groupe lyonnais. L'ancien d'Angers qui était en tribune lors du dernier match. Allez, on commence par la composition d'équipe du Montpellier avec Rouli dans les cages, Souquet, Mendes, le vétéran Hilton et Congré, ainsi que Oyongo pour la défense à 5, le Talek, Ristic et Ferry, l'ancien lyonnais au milieu de terrain, et devant la doublette, une des très bonnes doublettes de ce championnat, Delors et Laborde. Voilà, une équipe très défensive qui va sûrement jouer les contres. Et du côté lyonnais, c'est du classique, on change pas une équipe qui gagne, avec Anthony Lopez dans les buts, Léo Dubois en défense, avec Anderson Denayer le capitaine, Youssouf Koné à gauche, le triangle avec un milieu défensif, Touzar, Mendes et Aouar au milieu de terrain, et puis cette triplette sensationnelle entre Traoré, Aouar, entre Traoré, Dembélé et Memphis. C'est parti, c'est à la Mosson. C'est parti, le coup d'envoi a été donné. Dembélé qui résiste, il n'arrête pas le ballon, Dembélé, il va se bagarrer avec Jordan Ferry, l'ancien lyonnais. C'est Ferry qui va avoir le dernier mot. La board avec le Talek, allez, il y a de l'espace là-bas, il a bien vu avec Oyongo. Oyongo qui va défier Anderson. Oyongo en un contre un, il va trouver la board. Quelle occasion. Au bout de 5 minutes c'était, de jeu. C'était bien joué, très bien joué, très bien vu là-bas. Et la frappe, malheureusement, il aurait peut-être dû contrôler, mais après il y avait un retour. Il faut que j'arrête avec mes contrôles. C'est bien joué, une occasion. Montpellier montre ses crocs. Aouar, allez, avec Traoré dans la profondeur. On cherche beaucoup Traoré dans le long. Traoré à nouveau, Traoré petit pont, Traoré en retrait avec Thiago Mendes. Ouais, faut peut-être frapper. Thiago Mendes, on sait, il a une belle frappe, l'ancien Lillois. Thiago Mendes qui va trouver Dubois pour un petit centre. Avec Traoré, Dubois le centre à nouveau. Centre. La tête de Moussa Dembélé. La parade. Et quel arrêt. Quel arrêt de Rouli à la 20ème minute de jeu. Je l'avais bien vu, hein, ça sentait qu'il allait prendre le dessus. Enfin, nous sur l'écran. Ouais, c'est encore la puissance de Dembélé qui fait la différence. Quel joueur, il mérite l'équipe de France, hein, franchement. Allez, avec Touzard. Touzard pour Dembélé. Touzard avec Dembélé à nouveau. La frappe de Dembélé. Mais quelle occasion. Corner. Moussa Dembélé. Quelle occasion. Corner à suivre ici. À la Mosson, toujours 0-0, 23ème minute, on espère un peu de début, pourquoi pas. Parce qu'on s'endort un peu, il n'y a eu que deux occasions dans ce match. Allez, avec Aouar qui continue, qui s'introduit dans la surface pour Touzard en retrait, avec Thiago Mendes, Traoré. Il n'y a pas d'enjeu. C'est l'ouverture du score, quelle vision, quelle vista de Thiago Mendes pour l'ouverture du score de Traoré. On va quand même revoir. Qui ne tremble pas. Ça a dû être checké, ça a dû être checké à la VAR, hein, l'arbitre... 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et regardez, super ce que fait Aouar dans la surface de réparation. Il va trouver Touzard qui va décaler Mendes et en une touche de balle pour Traoré qui lui aussi, sans contrôle, a juste roulé et s'offre son premier but de la saison en Ligue 1 Conforama. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, logique au vu que Lyon a commencé à prendre le dessus depuis 7-8 minutes. C'est bien. 41 ans, mais toujours aussi bon pour Victor Ito-Hinde. Allez, avec Lopez pour trouver Dubois avec Traoré maintenant. Traoré très en jambes, le Burkinabé. Traoré toujours avec Léo Dubois. Léo Dubois qui accélère côté droit. Léo Dubois toujours. Il va aller, pourquoi pas, aller chercher Moussa Dembélé. Allez, Moussa Dembélé, pourquoi pas pour frapper. Il va trouver Thiago Mendes. Oh, ça fait 2. Oh, ça fait 2. Ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Thiago Mendes. Par contre, c'est pas trop. Ça aurait un match nul et ça aurait peut-être mérité, c'est un peu sévère. Quel réalisme, ces Lyonnais.
Comme et depuis le début de la saison. Hein, ils sont quelle frappe de Thiago Mendes, elle est pleine lucarne, il n'y a rien à dire. Roulé et battu. Et il le décale en pleine course, la Moussa Dembélé. Et boum, il ralentit pas, frappe sous la barre. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais grâce à Thiago Mendes. Allez, avec Memphis pour Youssouf Kone. Peut-être que Memphis, c'est peut-être l'attaquant qu'on a moins vu ce soir pour le moment, côté lyonnais. Mais on sait que ce joueur est exceptionnel, on peut ne pas le voir dans Mendes. Un match et qu'il sort un truc exceptionnel. Et il se bat quand même. Regardez, oh, quel retour de Memphis Depay. C'est très bien joué, c'est avec Aouar qui va avoir l'appel de Dubois. Et c'est plutôt celui de Traoré. La passe cachée, le poteau. Il aurait peut-être dû le remettre en retrait. Faut lever la tête dans ce cas-là, Bertrand Traoré. Mais il était dans son truc. Allez, avec maintenant Oyongo. Oyongo qui va centrer. Quand même avec la tête. Et, voilà. Et la réduction du score. Elle est signée. Gaëtan Laborde à la 42e minute de jeu. Le premier but concédé par les Lyonnais cette semaine. La réduction du score de Montpellier. Alors, comment ? Là, la défense, elle est mal placée. Elle est mal placée. Tête. Et elle est tout seul. Gaëtan Laborde qui peut ajuster Anthony Lopez. Qui prend Gaëtan Laborde, il y en a deux, Jason Denayer et Andersen dans l'axe, mais personne pour le prendre. C'est très très mal placé. Lopez est battu. Et ouais, entre les deux bras de Lopez, c'est magnifiquement bien placé. Laborde. Entre la tête et les deux mains, c'est bien passé. Lopez peut rien faire. Voilà, José, attention, on va laisser passer l'action. Le centre. Vers Memphis. Voilà, donc José, qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps? Au début, pendant 20 minutes, on s'est un peu embêté, mais après, ça s'est bien augmenté, la rapidité du jeu, etc. Et beaucoup d'occasions, surtout côté lyonnais. Mais quand même des Montpellierains très embêtants. Et on a vu qu'ils ont su se créer des occasions. Attention à eux en seconde période. Et oui, il va falloir faire attention à ces Montpellierains en seconde période. D'ailleurs, attention à moi que Lyon marque juste avant la mi-temps. Mais en tout cas, ils ont su relancer ce match, les Montpellierains, qui étaient au plus mal quand même à 2-0. Avec ce réalisme lyonnais. Mais comme dit le proverbe dans ces matchs-là, ou ça fait 2-2, ou ça fait 3-1. Allez, avec Memphis pour centrer, pourquoi pas aller les Lyonnais mettre le troisième but avant la mi-temps pour revenir. Il aurait dû se laisser tomber. Avec Thiago Mendes qui va trouver Memphis en retrait. Memphis le centre vers Moussa Dembélé. Ça va revenir. L'arbitre faut siffler peut-être Touzard. C'est sifflé. On se retrouve tout à l'heure. Vous voulez laisser la dernière occasion. A tout à l'heure, les amis, après la page de pub. De retour ici à la Mosson, Lyon mène 2-1 grâce à Mendes, Traoré et Laborde. On a eu du spectacle dans cette première mi-temps, on espère en avoir aussi en deuxième. Ouais, très bien dit, 3 buts, c'est pas mal. On critique souvent la Ligue 1 où on dit qu'il n'y a pas beaucoup de buts et que c'est un jeu fermé. Mais là, on a déjà vu 3 buts et des équipes ouvertes. Allez, Oyongo, le ballon dans les pieds de Moussa Dembélé avec Traoré, Moussa Dembélé. Et Ristich sort à la place de Dolly. Changement pour le MHSC. Avec Delors. Richard, Loulou, Nicolas. Delors, le centre et pénalty. Pénalty, faute d'Andersen dans la surface de réparation. Alors c'est litigieux, mais en tout cas c'est pénalty. On va revoir. Pénalty pour Montpellier. 57ème minute. C'est le temps du match. Alors est-ce qu'il y a vraiment faute? Ouah, c'est sévère. Quel est sévère. Pour moi, il n'y a pas pénalty. La VAR devrait intervenir. Mais qu'est-ce qu'il est sévère ce pénalty pour Montpellier? Ok, il y a Delors face à Lopez. Andy Delors face à Anthony Lopez, c'est peut-être le tournant du match. Andy Delors qui s'élance et c'est au fond. Ça fait 1-0 pour Montpellier. 2-2, pardon. Montpellier est revenu dans ce match. Ils étaient menés 2-0. La paillade a eu raison pour le moment des Lyonnais. Et Montpellier est bien plus prompt psychologiquement maintenant. Allez, grâce à ce but de Andy Delors, ça fait 2 buts partout sur penalty, un penalty très très litigieux. T'as mis la clim aux 300 supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. Allez. Lyon va se faire accrocher chez la Mosson. José, quel a été votre ressenti sur ce match? Lyon a bien débuté, a concédé des occasions après 20 minutes, a mis la pression mais s'est relâché après en concédant 2 buts. Bien évidemment, un penalty assez illogique. Mais le match nul, du coup, est mérité vu que Lyon est retombé dans ses travers de la saison dernière. Voilà, merci à tous et on se retrouve très rapidement pour un prochain match de Lyon. Bonne soirée à tous. Allez, Kichette Palli, à la prochaine, salut.